Alors, bonjour Francis. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour parler avec vous de la ressortie d'un livre de 2007 qui était intitulé Critique de la société de l'indistinction, sous-titré Commentaire sur le fétichisme marchand et la dictature démocratique de son spectacle, qui est paru aux éditions Révolution sociale et signé de l'International. Livre à la rédaction duquel vous avez largement participé. Je rappelle aux auditeurs qui pourront se le procurer sur le site de Guerre de Classe. Il était indisponible longtemps et puis on le remet en ligne là. Et puis aussi, pour ceux qui voudront approfondir un peu la question, rappelez qu'il y a deux émissions qui ont été enregistrées en 2012. L'une sur Radio Courtoisie avec Emmanuel Ratier qui traitait pas mal de la fausse opposition en droite-gauche. C'était un peu dans le cadre de la pré-présidentielle de 2012. Et une autre qui est titrée Le communisme comme tradition primordiale. Et toutes les deux sont accessibles sur le YouTube de Guerre de Classe. Alors, d'abord, on va essayer de bien cadrer ce qu'est ce concept d'indistinction, en rappelant peut-être quelques dates importantes, un peu comme vous l'aviez fait, Francis, en rapprochant en 2018 avec l'émergence des Gilets jaunes. La date de 1818, pardon, avec la naissance de Marx, 1918, le mouvement communiste des conseils en Europe, et 1968, la grève sauvage généralisée. On peut là, de la même manière, rapprocher 2017, donc l'édition de la critique de la société de l'indistinction, avec 1867, le Capital de Marx, et 1967, le bouquin de Debord, La société du spectacle. Alors, je m'explique. En 67, Marx, dans le Capital, parle de fétichisme de la marchandise, il parle de travail abstrait, d'équivalent général abstrait, et il pose le principe d'abstraction comme, en quelque sorte, le cœur du système capitaliste. Mais à ce moment-là, on est encore en domination formelle, et cette abstraction, elle est circonscrite au processus de production des marchandises. Ensuite, on entre en domination réelle, et l'abstraction va peu à peu se répandre à tous les aspects de la vie. Ce dont parlera Debord avec son concept de spectacle, en disant que tout est représentation, tout est mise en scène. Et à partir de là, ce principe d'abstraction qui s'est étendu va ensuite s'intensifier au point qu'aujourd'hui, plus rien ne soit distinguable, c'est ce que vous nous dites, désignable, plus rien ne soit discriminable, hiérarchisable, etc. Alors, juste avant de vous donner la parole, peut-être je vais donner une illustration assez concrète de ce qu'est ce concept d'indistinction. Je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui l'ont vu. Il y a une vidéo qui a tourné cette année avec un débat assez ahurissant sur la question LGBT, où le président, je sais pas si vous l'avez vu, Francis, où le présentateur faisait remarquer qu'il n'y avait que des hommes sur le plateau. Ce à quoi l'un de ces messieurs a répondu qu'il n'était pas un homme et qu'il était non-binaire. Et ce que je veux dire, c'est que au bout du développement de l'abstraction capitaliste, on se retrouve avec un type comme ça pour qui la réalité objective de son chromosome Y, en fait, ne compte pas. Ce qui compte, c'est le regard abstrait qu'il porte narcissiquement sur lui-même. Est-ce que c'est ça l'indistinction? Alors, je trouve que vous commencez bien parce que vous posez la question ontologique première. J'ai beaucoup de correspondants. Chaque matin, j'ai une trentaine ou une quarantaine de mails. Et j'avais la semaine dernière un mail sur la poupée Barbie et j'avais ce matin un mail sur Air Canada. Et ça regroupe la question de votre paumé atomistique narcissique marchand qui se définit dans le hors-sol de son autolâtrie pathologique narcissique marchande. Les nouvelles poupées Barbie n'auront pas de genre distinctif. Il n'y aura pas de garçon et il n'y aura pas de fille. Et j'avais donc un correspondant ou une correspondante qui m'écrivait et qui me disait maintenant dans Air Canada, on ne dit pas quand vous montez dans l'avion bonjour monsieur ou bonjour madame parce que c'est traumatique, on dit bonjour tout le monde. Il n'y a plus de monsieur, il n'y a plus de madame, il y a du tout le monde, de la réification universelle, de la pathologie narcissique marchande généralisée. Et le nec plus ultra
le nec plus ultra de toutes les pathologies contemporaines de la réification reproduite, c'est de dire, ben voilà, dans une école américaine moyenne, maintenant, il y a des WC transgenres. Et donc, vous avez raison de démarrer par là, vous avez raison de démarrer par là, même si alors, après, on va creuser le mode de production historique de ce qu'est l'indistinction, mais en partant de là, on part du résultat. On part du résultat. Le capital, dans sa longue histoire aliénatoire, aboutit aujourd'hui à sa domination réelle achevée. Et la domination réelle achevée du capital, c'est la domination réelle achevée de l'indistinction. Alors, qu'est-ce que l'indistinction et comment ce processus historique aliénatoire de l'indistinction fait qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se définir dans sa pathologie d'angoisse et dans son aliénation réifiée, dans les termes où vous l'avez précisé, par rapport à un clampin aliénatoire résolument contre-révolutionnaire. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que le clampin idiot qui dit « je ne suis pas une femme, je ne suis pas un homme, je suis un autre chose », il vous dit, sans vous le dire, tout en vous le disant, je suis une autre chose dans la réification qui adore, qui aime, qui défend, qui promeut, qui produit et qui reproduit l'État et la marchandise. Parce que tout ce bétail aliénatoire de la réification narcissique, LGBT et compagnie n'a qu'un seul objet, c'est rayonner dans la circulation égalitaire de la marchandise redistribuée. Ces gens-là ne vous parleront jamais de la Commune de Paris, ils ne vous parleront jamais de la grève sauvage insurrectionnelle, ils ne vous parleront jamais de l'abolition de l'État et de l'abolition de la marchandise et de l'abolition de l'argent, ils vous parlent de leur statut de marchandise narcissique, enfin ayant le droit d'aboutir à partir de tout leur désir pathologique de la réification au plus haut poste de la réification. C'est-à-dire quel est l'objet de radicalité supérieure d'un atome narcissique LGBT ? C'est de pouvoir accéder au FMI. Mais il accède déjà à toutes les publicités du capital. Vous prenez n'importe quel feuilleton télévisé polar de base, alors, on y reviendra tout à l'heure, il y a l'immigré, il y a la féministe, il y a l'homosexuel et il y a le LGBT qui nous conduit à la PMA et la GPA. Donc, ces valeurs-là sont les valeurs du capitalisme triomphant. Ce sont donc les valeurs de l'indistinction, puisque l'indistinction, c'est précisément ce qui correspond dans la domination réelle achevé à ce que vous avez souligné très justement tout à l'heure, c'est la dictature démocratique de l'équivalent général abstrait. Qu'est-ce que le capitalisme ? Qu'est-ce que le fétichisme de la marchandise ? C'est cette réalité qui fait que dans le mouvement de la totalité de l'aliénation réalisée, l'animé devient inanimé, l'inanimé devient animé, et dans le grand mouvement despotique historique de la valeur, les choses deviennent des êtres et les êtres deviennent des choses. Tout s'inverse et le fétichisme de la valeur, c'est précisément ce qui naturalise la chosification et c'est ce qui chosifie la naturalisation. Tout est à l'envers de l'envers. Et on aboutit à cette structuration terminale que Marx, même s'il ne l'a pas vécu, avait méthodologiquement parfaitement anticipé dans le sixième chapitre, dans les Grundrisse, et dans la totalité de ce qui résulte de l'idéologie allemande. Le bout de la marchandise, c'est la réification contre-révolutionnaire. Le sujet dont le capital est profondément amoureux, c'est le sujet qui est profondément amoureux du capital. Et Marx positionne, dans toutes ses correspondances à partir du sixième chapitre avec Engels, toute la pathologie sociétale
de la domination réelle. La pathologie sociétale, c'est ce qui nous fait sortir de l'histoire du rapport social des luttes de classe et qui fait que, précisément, l'objet de l'indistinction, c'est que la réalité radicale de la vraie histoire, qui est la lutte de classe entre les exploiteurs et les exploités, les vrais dominants et les vrais dominés, autour de la contradiction de la plus-value, autour de la contradiction de l'exploitation et du taux de l'exploitation, qui aboutit nécessairement à la nécessité révolutionnaire, manifeste communiste, Commune de Paris, critique du programme de Gotha, à la nécessité révolutionnaire d'abattre l'État et d'abattre l'argent, passe sous le tapis de la modernité narcissique de l'indistinction. Et on a là le surgissement sociétal de tous les cul-de-sac par lesquels le capital évacue la question sociale de la révolution sociale. Aujourd'hui, la grande question historique qui est posée par les Gilets jaunes, qui est posée par la crise généralisée du capital en termes industriels, en termes commerciaux, en termes monétaires, doit être évacuée pour que nous ayons tous la tête enfermée dans la réification absolue de la dictature démocratique du sociétal. Le féminisme, l'immigrationnisme et le LGBTisme. À partir du moment où on est dans le LGBTisme, l'immigrationnisme, le féminisme, le tout synthétisé dans la nécessité impérieuse d'un capitalisme vert, c'est-à-dire d'une structure sociale qui reconvertit la merde du capital dans une beauté d'économie et d'écologie en préservation. C'est ça la logique du capital et c'est ça l'indistinction. Pourquoi ? Parce que l'indistinction a pour objet premier de, par le biais de l'aliénation généralisée du fétichisme de la marchandise, de faire que l'homme ne puisse plus distinguer, ne puisse plus situer, ne puisse plus clarifier, ne puisse plus préciser, ne puisse plus positionner. À partir du moment où je suis dans un rapport social et que je ne peux pas en positionner l'histoire, la destination, la structure, la substance, les contradictions, et que le capital m'annexe, me vampirise, m'absorbe, me cannibalise pour me déplacer sur le terrain de la marchandise sociétale, je suis dans l'obligation de restructurer les conversions de la marchandise qui devient éternelle. L'indistinction, c'est ce qui éternise la marchandise. Pendant des siècles de combat, de radicalité, de lutte de classe, l'humanité s'est posée sur cette relation lutte de classe radicale contre l'État, l'argent, le salariat. Avec la modernité, on y reviendra tout à l'heure, qui s'est structurée sur les défaites de 1968, parce qu'il y a deux mai 68, il y a le mai 68 de la radicalité sauvage incontrôlable qui échoue, puisque les conditions objectives du développement du capital font que ça ne peut que échouer, et tout ça est restructuré par la gauche de la marchandise, qui est le laboratoire de recherche du capital et qui nous construit comme un hors-sol atomistique, narcissique, pathologique, autolâtre. Et donc, quel est mon objet dans l'indistinction ? C'est d'être un objet indistinct de production et de reproduction sociale aliénatoire pour que le capital ne cesse de se reproduire. Donc, la critique de la société de l'indistinction, c'est finalement la critique de la marchandise réalisée à son point ultime, le plus abouti. Et le point ultime, le plus abouti, c'est effectivement tout ce qui surgit avec le 21e siècle. Et tout ce qui surgit aujourd'hui avec le 21e siècle, comme dictature démocratique, de l'atomisation narcissique, du sujet abruti, totalement abruti dans la distinction, cela vient dire qu'aujourd'hui, le sujet abruti ne peut plus rien distinguer. Il ne peut plus faire hiérarchie, différence. Il est donc dans l'incapacité de comprendre le sens de toutes les luttes de classe radicales d'avant, qui doivent effectivement être éteintes, étouffées, absorbées, annihilées, pour que dans les grandes galeries marchandes du temps contemporain,
les seules interrogations possibles soient celles du sociétal, homosexuel, immigrationniste, féministe, écologico-compatible du capitalisme vert, bref, tout ce qui n'inquiète pas le capital parce que ça restructure la marchandise doit être distingué, doit pouvoir être distingué et valorisé en tant que conscience fausse devenue impérialiste et généralisée. Par contre, tout ce savoir ancestral qui nous renvoie au logos, et nous allons réexpliquer peut-être ce qu'est le logos, cette grande tradition historique de radicalité profonde doit disparaître. Bref, tout ce qui était distinct en vraie conscience doit disparaître, et tout ce qui est le grand fatras de cette purée réifiante du capital qui fait de nous des abrutis universels doit être valorisé par la dictature démocratique de la valeur d'échange. Mais tout ça, la critique de la distinction paraît en 2006, c'est le résultat de siècles et de siècles de combats radicaux, paysans, ouvriers. Quand la critique de l'indistinction en 2006 sort pour produire ce qu'elle produit, elle ne le sort pas de sa tête, elle le sort du mouvement réel de l'histoire, c'est-à-dire du logos subversif et insurrectionnel de toutes les temporalités ouvertes contre la temporalité fermée du capital. Donc on va peut-être à partir de là développer et creuser, mais ce qu'il faut, c'est comprendre cette dialectique historique de longue durée. D'accord. Donc, bon, vous avez bien cadré ce qu'était l'indistinction. Peut-être qu'on va essayer de distinguer sujet par sujet ensemble. Et puis, comme vous parlez du logos, on va peut-être attaquer par le christianisme parce que il y a toute une partie dans le bouquin où vous distinguez nettement. Parce que, bon, on vit une époque où toutes les religions se valent. Et elles sont toutes également respectables, etc. Alors que vous, vous distinguez clairement d'un côté le christianisme, et donc vous pourrez parler du logos, et de l'autre côté le judaïsme et l'islam que vous mettez ensemble, et là on pourrait parler plutôt du nomos, non ? Alors, il faut toujours repartir du début, et repartir du début, c'est repartir de cette correspondance tenue, soutenue, pesée et sous-pesée qui fait toute la richesse intellectuelle du groupe Marx Engels. Marx Engels, ce n'est pas une association de Charles Marx et de Frédéric Engels, c'est-à-dire une association narcissique critique entre deux Pékins. C'est quelque chose qui, dans la rencontre de ces deux hommes, qui va aboutir au surgissement de la Ligue des communistes, au déploiement de l'Alliance internationale des travailleurs, est une rencontre qui s'est faite historiquement dans cette première partie du XIXe siècle, où toute la puissance radicale et subversive du logos a ressurgi. Je renvoie nos auditeurs à l'introduction de 1857 où Marx dit « Nous sommes des Grecs ». Je renvoie à la question juive. Je renvoie au texte de Engel sur les origines du christianisme primitif. Nous sommes des Grecs. Nous ne sommes pas des Grecs. Dans une affabulation aliénatoire ethniciste, nous sommes des Doriens, des Mycéniens, des Achéens, ce n'est pas du tout ça. Nous sommes des Grecs au sens où les Grecs ont incarné un temps de radicalité universelle indépassable. Il y a une structuration logique, il y a une permanence historique entre le logos grec des présocratiques, ce logos grec qui perdure même dans l'aliénation et la défiguration de Platon et d'Aristote. Mais il y a, chez Marx et chez Engels, cette compréhension radicale que tout est là, que tout est là. Et pourquoi tout est là ? Parce que, à partir du logos, est posée la question essentielle de l'universel accueillir du monde. Si vous lisez Hérodote, si vous lisez Eschyle, si vous lisez Euripide, si vous lisez Empédocle,
si vous lisez Parménide, si vous lisez Anaximandre, si vous lisez l'intégralité des textes radicaux de cette énergie première qui a saisi le logos, on comprend et on bascule à Hegel que tout le réel est rationnel et que tout le rationnel est réel. L'axe méthodologique clé, Aristote, Platon, Héraclite, Empédocle, Euripide, Sophocle, il se positionne dans une phrase qui est très simple, mais qui dit tout et qui nous conduit au Christ insurrectionnel. Legein, ta, eonta. Legein, ta, eonta. Dire ce qui est en le logos du logos. Le legein, c'est le dire, c'est le collectionner, c'est le recueillir, c'est l'accueillir, c'est le comprendre. Par cette phrase « legein ta eonta », je dis que l'être des profondeurs, c'est ce qui est dans le logos de l'accomplir cosmique et historique. Il n'y a que de l'automouvement. Il n'y a que de l'immanence radicale. Tout ce qui est riche, tout ce qui est profond, avec humilité, avec infinie humilité, est reçu parce que c'est le rapport de l'infini à l'infini qui fait que si vous ou moi, nous pouvons dire des choses essentielles, c'est parce que nous recueillons l'essentialité historique du monde. Rien ne sort de nous et rien ne vient d'ailleurs. Rien ne sort de nous et rien ne vient d'ailleurs. Et là est posée la question radicale du logos christique. En arché en o logos, en tant que principe du monde, était le logos, c'est-à-dire la radicalité cosmique de toutes les histoires envisageables. Entre le Christ, entre les présocratiques, entre tous les positionnements de cette pensée radicale qui a fait production de la pensée pensante. Toute pensée n'est pas pensante. Pour qu'une pensée soit pensante, il faut qu'elle soit dans la rigueur de cette circularité dialectique définie par Hegel. Tout le réel est rationnel, tout le rationnel est réel. Et quand le manifeste communiste surgit dans les révolutions de 1848, et que sont positionnés les Grundrisse, et que sont positionnés le Capital et l'ensemble des textes radicaux qui vont faire imprégnation d'incarnation historique vraie dans la Première Internationale et en avance de toutes les impostures social-démocrates, de toutes les impostures bolchévistes qui ne sont donc tout ensemble que des axes de modernisation de la marchandise vers le progrès infini du totalitarisme de la valeur d'échange, j'ai là une structuration radicale qui renvoie à ce qu'est le logos du logos. Donc, qu'est-ce que le logos ? Le logos, il n'y en a pas en Inde. Le logos, il n'y en a pas en Chine. Le logos, il n'y en a pas en Afrique. Le logos, il n'y en a pas chez les Incas et chez les Aztèques. Il y a, dans le logos, la compréhension que l'homme est le mode de production, de la production de sa logique, de sa destination. L'homme est la production du rapport de production, du rapport de production qui fait son espace social à un moment donné. Mais le logos, c'est précisément quelque chose qui découle de la production d'insurrection, de la production de compréhension, de la production de destination. Et le logos, Marx, Hegel, les présocratiques, c'est la compréhension du fait qu'il y a un temps historique qui peut saisir le logos et qu'il y a un temps historique qui ne pourra jamais saisir le logos. Il y a donc, à partir du logos, la compréhension dialectique et déterministe des rapports sociaux, des luttes de classe, des ouvertures d'histoire,
des fermetures d'histoire qui font qu'il y a des rapports sociaux de production qui peuvent produire le logos et d'autres qui ne peuvent pas produire le logos. Et le logos, il est né dans cette spécificité historique indo-européenne de toutes les contradictions des peuples de la steppe qui, à un moment donné, se sont structurés dans des contradictions sociales qui n'étaient pas le mode de production étatique asiatique dans sa forme classique, qui n'était pas le mode de production étatique africain, étatique centrale ou étatique périphérique, qui n'était pas le mode de production étatique de la réalité de ce qui se positionnait dans les modes de production Inca, Aztèque, Toltec, Zapothèque, etc. Il y a toute une compréhension historique chez Marx à la suite de Hegel qui fait qu'on comprend qu'en Europe, entre les contradictions de la décomposition du mode de production antique, le surgissement du mode de production féodal et toutes les contradictions dialectiques internes et externes qui posent le rapport à la production du langage de la production et à la production de la production du langage, il se crée à un moment donné une compréhension radicale qui signifie Legein, ta et onta, dans l'immanence de la radicalité du temps ici ouvert, où les hommes peuvent transformer leur histoire, il y a une capacité à saisir la radicalité du temps ouvert. Et je renvoie à la question juive, et je renvoie au texte de Hegel sur les origines du christianisme primitif. À un moment donné, Marx et Engels disent, contrairement à l'Asie, contrairement à l'Afrique, contrairement à l'Amérique, où finalement tout se reproduit en cercle fermé sur la reproduction infinie des maîtrises de domestication politique et des maîtrises d'exploitation économique, il se crée en Europe, à partir des conditions et des conductions de ce qui fait la lutte de classe, dans le logos comme rapport social et dans le rapport social comme logos incarné, des formes de détermination historique, un quelque chose radicalement différent qui fait que ça devient. C'est l'expression de Marx et de Hegel. Ça devient. Et le « ça devient » nous renvoie à la physis d'Aristote, à la physis d'Héraclite et à la physis de Parménide. Et rappelons-nous qu'à un moment donné, malgré tous les conflits qui opposaient Marx à Lassalle dans le cadre de la structuration de la social-démocratie, et alors que Marx critiquait radicalement ce qu'allait devenir la social-démocratie qui allait conduire au bolchevisme, il reconnaît dans une correspondance avec Engels toute l'intelligence de Lassalle d'avoir produit un bouquin sur Héraclite. Et il dit, Héraclite, Aristote, c'est décisif. Héraclite et Aristote, c'est décisif. Mais on en retourne au Christ à travers la guerre des paysans, tous les textes et toutes les correspondances entre Marx et Engels sur le Christ, et bien évidemment le texte sur les origines du christianisme primitif, où Engels, à la suite de ses correspondances avec Marx, dit « Avec le Christ, quelque chose de radicalement nouveau surgit et positionne la radicalité qui ouvre le chemin à toutes les luttes de classe radicale, paysanne et ouvrière, qui vont survenir. Il faut bien se rappeler que tout le temps médiéval est à la fois un temps de structuration fermée, de structuration féodale hermétique, autour de la noblesse, autour du clergé, autour de la bourgeoisie qui surgit. Mais alors que l'Asie connaît des insurrections paysannes fermées, qui veulent simplement reproduire de manière plus améliorée le temps de l'oppression mercantile, nous avons, entre le 10e, le 12e, le 13e, le 15e siècle, un continent européen d'insurrection radicale qui constamment, contre l'Église officielle, voit surgir des communautés paysannes en insurrection à travers le tocsin insurrectionnel des églises contre le pouvoir de l'Église et
qui remettent en cause la formation sociale, non pas comme on le voit en Orient, pour que l'argent marche mieux, pour que l'argent soit mieux redistribué à la communauté, mais que pour l'argent soit aboli dans la communauté radicale du Christ incendiaire. Il se passe donc quelque chose là, et c'est pour ça que la critique de la distinction l'a souligné, mis en perspective et considérablement articulé. Il se passe en Europe quelque chose qui ne se passe nulle part ailleurs. Et donc, ce n'est pas autre chose que la spécificité du rapport social de production de la communauté telle que, entre l'émancipation et l'aliénation, surgit là quelque chose de spécifique. Et le Christ là est quelque chose d'essentiel qui va être repris dans toute la perspective communiste telle qu'elle est positionnée par les manuscrits de 44 et telle qu'elle va jusqu'au cheminement de la critique du programme de Gotha. C'est cette phrase profondément riche de la question juive. Marx dit la nationalité juive est une nationalité chimérique. La nationalité juive est une nationalité chimérique, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas. Les juifs n'existent pas. Et qu'est-ce que nous dit le Christ dans sa radicalité première, telle qu'on va le retrouver dans les épîtres aux Romains, les épîtres aux Corinthiens ? Il n'y a plus de maître, il n'y a plus d'esclave, il n'y a plus de grec, il n'y a plus de juif, il n'y a plus d'homme, il n'y a plus de femme. La compréhension de la distinction est une réfutation radicale de toutes les indistinctions d'aliénation de la valeur d'échange. Quelle est la seule réalité pour le Christ, pour Marx, pour la Commune de Paris, même si c'est sous des formes différentes, en fonction des temps qui s'élaborent, qui se structurent et qui se restructurent de manière diverse et variée, c'est le fait que la seule réalité, c'est l'être générique de la vraie distinction contre toutes les réalités d'imposture qui nous distinguent dans le factice, le chimérique et l'aliénatoire. Au paléolithique, il n'y a pas de juifs. Au paléolithique, dans ce que Engels positionne dans les temps de l'organicité en mouvement, sauvagerie, barbarie, nous avons des communautés de chasseurs-cueilleurs. Les juifs n'existent pas. Les juifs vont surgir, non pas comme réalité cosmique, parce qu'on va y revenir, ça n'existe pas, comme réalité divine, parce qu'on va y revenir, ça n'existe pas, ils vont surgir comme réalité sociale dans le cadre de la révolution néolithique qui, autour du croissant fertile, dans ses articulations de voies de communication commerçantes, le Tigre, l'Euphrate, le Nil, font surgir à un moment donné des communautés marchandes à travers la typologie aliénatoire de Abraham, Ur, en Chaldée, etc. Il surgit quelque chose qui crée la nécessité de l'alliance contractuelle avec la Torah de la valeur d'échange dont Yahvé n'est que la formulation symbolique extrême de l'équivalent général abstrait. Les Juifs n'existent pas au paléolithique, ils surgissent au néolithique. Et ils ne surgissent pas au néolithique parce que des ovnis viennent les constituer comme tels. Ils surgissent pratiquement, matériellement, banalement, parce qu'un rapport social fait surgir les Juifs. Et je rappelle que quand ce rapport social fait surgir les Juifs, ce ne sont pas les goïms qui se délimitent par rapport aux Juifs, ce sont bien les Juifs qui se délimitent par rapport aux goïms et tracent une ligne de démarcation. Donc ce sont les Juifs qui ont créé les goïms. Ce ne sont pas les goïms qui ont créé les Juifs. Et là, on est dans le rapport social aliénatoire de la valeur d'échange pathologique. Charles Marx, la question juive. Abraham Léon, la conception matérialiste de la question juive. Et
Marx nous dit, les Juifs n'existent pas. Les Juifs sont une nationalité chimérique. Il n'y a pas de biologie juive, même s'il y a eu effectivement des endogamies reproduites effectivement à travers toute une série de siècles qui ont produit des modèles spécifiques. Mais le fait juif est un fait historique, c'est un rapport social. Hachem n'existe pas, Yahvé n'existe pas. On reprend le texte de Marx et le texte de Feuerbach, ce n'est pas Dieu qui crée l'homme, c'est l'homme dans sa névrose de scindé, de séparation, qui crée le Dieu extérieur au monde. Donc, là, on a quelque chose de précis, on a quelque chose de clair, et là, à partir de ce positionnement-là, on a le surgissement du Christ. Le surgissement du Christ nous dit, il n'y a pas de question juive, il n'y a pas de question musulmane. Alors, on y reviendra après, la question musulmane n'est qu'une sous-question judaïque, puisque le Coran n'est qu'un sous-produit de la Torah de servitude dans la Houma de soumission. Il n'y a pas de question bouddhiste, il n'y a pas de question taoïste, il n'y a pas de question shintoïste. Il n'y a qu'une seule et unique question, c'est la question de la distinction radicale de la question de l'être générique. La seule et unique question est celle de l'être générique. Est-ce que je vis dans une communauté de jouissance humaine, d'émancipation humaine, de satisfaction humaine, sans état et sans argent, ou est-ce que je vis dans une enclosure, dans une clôture, dans une fermeture, dans une césure, qui, dans les continents de la servitude constamment reproduite, m'oblige à me dire que je suis shintoïste, bouddhiste, musulman, juif, zapothèque, aborigène du clan B ou aborigène du clan A. La seule et unique question, manuscrit 44, troisième manuscrit, l'être générique. Et qu'est-ce que nous dit le Christ ? Le Christ arrive et le Christ nous dit, je viens vous expliquer que tous les cheminements aliénatoires de césure, de séparation, de clôture et de commandement sont des pourritures aliénatoires. Le Christ vient dire, la problématique du pur et de l'impur, elle n'est pas dans la pratique aliénatoire et fétichiste de la valeur d'échange du quotidien qui zigzague dans des rituels débiles de soumission, de circoncision, de haram, de halal, de kasher, de taref. Le Christ radical, subversif, il vient, et au moment où est produit un des textes les plus radicaux, le serment sur la montagne, il vient dire « Abat tous les jugements tribunalistes, abat toutes les séparations aliénatoires. » La formule clé, « mais crinété, n'entrez pas dans le jugement des séparations aliénatoires. » Le halal, le haram, le kasher, le taref, ce sont des lignes d'enfermement pathologique. Les chefs de clan, alors les chefs de clan, la révolution urbaine commerciale de Abraham Ahur, la révolution des caravanes bédouines à l'époque de Mahomet, qui au moment où l'empire byzantin s'écroule et où l'empire perse s'écroule, accèdent à l'autonomie et veulent donc produire leur propre impérialisme caravanier et financier au moment où les puissances qui les dominaient s'écroulent. Tout ça, c'est des rapports sociaux, c'est des révolutions marchandes. La création du positionnement idéologique de Moïse, qui n'a pas eu lieu d'ailleurs à l'époque où on nous dit qu'il a eu lieu, puisque tout a été réécrit après coup, après l'exil de Babylone, parce qu'effectivement, il y a falsification de falsification, détemporalisation, retemporalisation. Les textes dont on nous parle ne sont jamais écrits à l'époque dont on nous dit qu'ils ont été écrits. La même chose pour le Coran. Tout est réécrit
en fonction des révolutions commerciales, du développement de la valeur d'échange, pour justifier des communautés aliénatoires à un moment donné. Et le Christ arrive, et le Christ dit « Abat tout cela, abat tout cela, abat les commandements, abat le tribunalisme. La seule chose qui est importante, c'est l'être. » Et entre le Christ et les manuscrits de 44, l'être générique, l'amour de l'être. Dans la communauté communiste de demain, il n'y aura pas de commandement, il n'y aura pas de tribunaux, parce qu'il y aura l'immanence du désir, l'immanence de la jouissance, l'immanence de la satisfaction. Et qu'est-ce que vient dire le Christ ? Le Christ vient dire, contre l'ensemble des sectes juives de l'époque et contre la crise du paganisme, c'est-à-dire que la grande richesse conceptuelle du Christ, elle a lieu parce que le judaïsme est en train de mourir, parce que le paganisme est en train de mourir. Et le Christ surgit au moment dialectique où le vieux judaïsme est en train de mourir et où la vieille société paganique romaine qui reproduit la société paganique grecque qui était en décomposition est en train de mourir. Le Christ vient dire, tout ça est terminé, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de loi de sacrifice, il n'y a plus de commandement, il n'y a plus de loi de commandement. La seule règle, c'est celle de l'immanence, c'est celle de l'immanence. Et celle de l'immanence, c'est celle de l'abolition des commandements, c'est donc l'abolition de tous les royaumes du monde. Parce que si on relit le texte grec dans sa radicalité profonde en relation avec la radicalité araméenne qui effectivement en sous-jacence le structure, c'est l'abolissement définitif des commandements, des névroses. Et ce qui est très intéressant, c'est que les textes juifs postérieurs au christianisme, les Tolédiotes Yeshu, sont des textes de lutte de classe contre l'insurrection christique, le pouvoir de classe de ce qui va surgir en tant que rabbinisme de la valeur d'échange, maudit le Christ d'une manière radicale. Et quant au texte coranique, qui n'est donc qu'une construction judéo-nazaréenne plus élaborée, il évacue le Christ. Dans le Coran, il n'y a pas de Yeshua. On a inventé un Issa qui n'existait pas. On a totalement rendu inodore et complètement sans signification la radicalité christique de ce qui est positionné par la crucifixion et par l'incarnation. Donc, moi j'ai des correspondants qui me disent « Mais dans le Coran, on parle de Jésus. » Non, non, c'est pas vrai. On ne parle pas de Jésus. On parle d'une reconstruction à travers un clampin qui n'a jamais existé qu'on appelle Issa et qui est là pour faire quelque part fonction de VRP de Mahomet qui arrive pour la révolution commerciale bédouine, des structurations financières caravanières qui vont effectivement s'étendre sur la décomposition byzantine et perse. Donc, il faut bien comprendre toute la puissance radicale de ce qu'a positionné le Christ et positionner la puissance radicale du Christ par-delà toutes les chimères aliénatoires du servilisme oriental, bouddhiste, taoïste, shintoïste, les Védas, les Upanishads, bref, toutes les sauces de servilité envisageables, c'est que le Christ vient exploser le judaïsme et le coranisme, qui n'en est qu'un sous-produit, par l'incarnation. Et relisez Hegel. J'ai fait un tout petit texte dans les commentaires sur la crise terminale où j'explique à travers Hegel la problématique de l'incarnation. Pour les juifs comme pour les musulmans, Dieu est par essence le maître du monde, le maître des dominations du monde. Les circuits commerciaux de Ur en Chaldée, les circuits commerciaux de la réalité caravanière bédouine qui va unifier le monde arabe. Dieu est le seigneur du monde. Dieu est le seigneur des territoires. Alors, il est certes miséricordieux avec les soumis qui se soumettent à l'infini de la soumission, mais Dieu, en tant que puissance extérieure, est le grand agenceur contractualiste
des raisons commerciales, politiques et sociales de la soumission. Et il est ailleurs. Et le Christ arrive en positionnant l'incarnation. L'incarnation, c'est impossible pour un rabbin, c'est impossible pour un musulman. L'incarnation, c'est un truc qui est impossible à intégrer. Parce que justement, dans la pensée juive comme dans la pensée musulmane, qui sont des pensées de soumission, qui n'ont jamais pu produire une perspective d'abolition de l'État et d'abolition de l'argent, il y a en le Christ cette puissance d'incarnation qui va construire à toutes les insurrections paysannes du Moyen-Âge et qui va construire donc à travers cette paysannerie qui devient du prolétaire à l'incarnation de l'être générique de la conscience communiste offensive, le fait que le divin est trinitaire. Mais la pensée juive et la pensée musulmane, qui sont étroites, qui sont sectorisées, qui sont fétichisées, n'ont jamais compris ce qu'était l'incarnation. Les juifs, comme les musulmans, vous disent « mais le discours chrétien est polythéiste ». Non, le discours chrétien n'est pas polythéiste, il est en le divin, et je rappelle que le divin, dans la vieille articulation linguistique indo-européenne, le div, c'est le jour lumineux de l'infinité des productions historiques de la vie. C'est ça le div. Donc, le div indo-européen qui vient de la racine première, les présocratiques, la Fusif, la Fusis, le Théos, Héraclite, Parménide, Aristote, Platon, et qu'on retrouve dans le Christ, c'est une immanence. Quand le Christ parle de son père et qu'il parle de son père en disant au moment de la plus grande angoisse avant la mort, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il ne l'appelle pas prince du monde, extériorité extérieure, il l'appelle Abba. Abba en araméen, ça veut dire amour de filiation, ça veut dire petit papa chéri. Pour le Christ, le principe du divin, c'est l'amour incarné. C'est pas le maître du monde qui, à travers un sablier des positivités et des négativités, à travers les misvot, les commandements, les tu dois, les tu ne dois pas, juge, puisque justement sur le sermon, au moment du sermon sur la montagne, il a dit mais crinete, n'entrez pas dans le jugement pathologique de l'aliénation. Donc qu'est-ce que le Christ ? Le Christ, c'est celui qui vient nous dire, terminologie hégélienne, le christianisme et son destin, qu'il y a une dialectique en trois temps, qui est la dialectique en trois temps de l'insurrection sociale universelle. Il y a effectivement la filiation première du divin du monde, qui n'est pas externe au monde, qui est immanente au monde, et qui doit nécessairement produire l'incarnation. Le divin s'est incarné en le Christ subversif contre les marchands du temple. L'en-soi est devenu un pour-soi, et le pour-soi est revenu à soi au moment de la Pentecôte, dans cet acte de radicalité insurrectionnelle où le pur esprit de l'être générique a définitivement aboli les commandements, les aliénations et les enfermements de l'avoir. Donc, il faut comprendre toute cette dialectique historique qui nous ramène à cette réalité profonde, profonde. Toutes les moralisations périreligieuses de l'Orient, intégrant le judaïsme et le Coran, ne sont que des savoirs de soumission qui nous enferment dans la réformation infinie de la banque, du pouvoir, de l'État, de la marchandise et de l'argent. Il n'y a que dans la continuité telle qu'elle est posée par Marx de l'introduction de 1857 sur le logos de la radicalité, sur le logos de la radicalité, qu'il existe à travers le rapport de production objectif de ce qu'est l'Europe profonde, des temps de sa distinction spécifique, qu'il existe, qu'il se met en mouvement, la radicalité qui construit le devenir vers la commune ouvrière, vers la commune de Paris et vers toutes les insurrections prolétariennes qui ont suivi. Et là, on est obligé de faire un tout petit rappel sur ce qu'est la réalité de la maturation de conscience historique de l'Europe féodale. L'Europe féodale, c'est l'Europe féodale du pouvoir,
à travers l'Église, les seigneurs, la noblesse, l'État central, la bourgeoisie qui arrive, mais c'est cette insurrection permanente des communaux paysans tels qu'ils ont été positionnés par Engels dans la marche germanique, où il montre que de la décomposition romaine à la structuration des invasions germaniques, s'est créé dans ce rappel du logos radical, la communauté insurrectionnelle des paysans qui voulaient abolir l'État, qui voulaient abolir l'argent et qui ont transmis le flambeau aux prolétaires modernes. Et juste pour terminer, une toute petite illustration sur ce qu'on appelle la Reconquista. J'ai plein de correspondants qui me posent des questions, mais la Reconquista, aussi bien en Espagne contre les Almohades, les Almoravides, ou la Reconquista en Europe orientale, à partir de l'Autriche-Hongrie, sur les territoires croates, serbes, qui font que les musulmans, l'Empire ottoman recule. Ce ne sont pas uniquement des luttes interétatiques entre les noblesses d'Espagne contre l'invasion musulmane ou les noblesses de Pologne, d'Autriche, de Serbie et de Hongrie contre le Grand Turc. Il y a une dimension de lutte de classe radicale. Il n'y aurait jamais eu de Reconquista pour repousser les morts outre Méditerranée. Et il n'y aurait jamais eu de lutte radicale avec les Krajina serbes, avec les Krajina en Croatie, avec le repoussement de toutes les puissances ottomanes de Bosnie pour effectivement refouler les Turcs sur Constantinople, s'il n'y avait pas eu la lutte de classe des communautés paysannes communières qui, contre le despotisme oriental arabo-islamique en Espagne et turco-islamique en Europe de l'Est, n'avaient pas fait jaillissement incendiaire. Donc, ce qui a repoussé l'islam et d'ailleurs aussi le judaïsme, puisque le judaïsme était dans tous ces méandres-là, très souvent en accord financier, politique et religieux avec l'islam, ce n'est pas un problème identitaire, c'est un problème de lutte de classe. Il y a eu une lutte de classe pendant des siècles de toutes les paysanneries communeuses d'Europe pour repousser l'islam et pour repousser le judaïsme, pour retrouver la communauté radicale contre l'argent et contre la puissance étatique, alors que l'islam et le judaïsme sont des puissances financières et étatiques par essence qui n'ont jamais toléré la radicalité de lutte de classe contre l'argent et contre l'État. D'accord. Bon, on ne va pas faire toute l'émission sur le christianisme, mais c'est vrai que c'est important dans votre bouquin parce que déjà, vous montrez bien la césure entre ces deux côtés, quoi, christianisme et de l'autre côté, judaïsme et islam. Déjà, du point de vue du lieu d'émergence, parce qu'il y a d'un côté, c'est la religion des opprimés, de l'autre, c'est la religion des chefs de tribus marchandes, en quelque sorte. D'un côté, du coup, on veut s'émanciper, de l'autre, il faut absolument soumettre. Et du coup, d'un côté, on est dans l'amour de l'être, et dans l'autre, on est dans la résistance infinie de la norme, de la loi. Alors, au bout du chemin de l'indistinction, par contre, on se retrouve avec le concept foireux de judéo-christianisme qui serait soluble dans la République marchande et qui devrait s'opposer, c'est ce qui se développe de plus en plus à droite sur l'échiquier politique maintenant, et qui devrait s'opposer à un islam qui, lui, ne serait pas soluble dans la République marchande. Donc là, on est vraiment au cœur de l'indistinction. Alors, je ne sais pas si vous voulez parler de ça ou si vous voulez qu'on passe sur un autre sujet. Alors, très rapidement, si vous voulez, le judéo-christianisme, ça n'existe pas. Où ça ne peut exister que pour un protestant qui falsifie le christianisme. Il y a une opposition radicale entre le Christ radical dans l'indistinction, enfin dans la distinction radicale de l'être à se soumettre aux marchands du temple. Il y a une opposition radicale entre Marx et Lénine, il y a une opposition radicale entre le Christ et Calvin. Calvin peut vous parler de judéo-christianisme. Puisque au moment de la révolution capitaliste, des temps de la renaissance marchande, on va fusionner toute une série d'appareillages aliénatoires de briques et de brocs pour faire de l'appareil vétérotestamentaire, quelque part, le livre somptueux, le livre décisif de la modernité à venir. Mais c'est une imposture.
Et d'ailleurs, c'est une imposture qui date de loin, parce qu'entre le Christ radical, l'Église catholique officielle et l'Église byzantine officielle, il y a un abîme. C'est-à-dire qu'il faut, bien comprendre, et c'est ce qui est expliqué dans la critique de l'indistinction, que très rapidement, les appareils d'État vont défigurer le christianisme radical. Le christianisme radical des origines, dans sa vérité profonde d'incarnation historique et de combat anti-marchand, pour la véritable transcendance, pour la véritable sacralité d'amour, pour la véritable insurrection de l'être, est aux antipodes de toutes les monnaies de César, quels que soient les Césars, de tous les royaumes du monde, quels que soient les rois et quels que soient les mondes et quels que soient les royaumes. Donc, il y a une insurrection radicale dans le christianisme, mais qui tout de suite doit être étouffée. Et comme l'Empire romain, est en crise profonde, que le paganisme se décompose, très vite, Constantin, Théodose, il va falloir construire un appareil supplétif. Donc, on va construire une église chrétienne officielle pour normaliser l'Empire romain. Un empire tel que l'Empire de Rome, à partir du moment où le paganisme se décompose, a besoin de structures idéologiques, de substitutions. Et il va faire avec ce qui est en temps dominant, le grand mouvement de l'époque. Donc, il y a deux christianismes. Il y a le christianisme radical de la Genèse radicale, comme il y a le Marx radical de la Première Internationale, et puis, de la même manière que par rapport au Marx radical de la Première Internationale, on a la grande falsification social-démocrate et bolchévique pour dénaturer, pour asphyxier, pour rendre inodore la radicalité de ce qu'a positionné Marx en tant que résultat des luttes de classe réelles, on a exactement la même chose avec le christianisme catholique initial, le christianisme byzantin initial, et puis alors après, l'apothéose de la falsification luthérienne et calviniste. C'est-à-dire que quand une pensée radicale, comme celle de Marx, quand une pensée d'incarnation radicale comme celle du Christ survient, la première tâche des appareils idéologiques et des appareils de servilité et de domestication, c'est de l'asphyxier, de la réécrire et de la rendre le plus possible en situation de neutralisation. Donc, quand on parle de Marx, il y a deux Marx. Il y a le Marx universitaire, il y a le vrai Marx, il y a le faux Marx. Quand on parle du Christ, il y a le Marx aspiré par les églises de la soumission, et il y a le Marx radical contre toute insoumission, puisque je rappelle que le Christ n'a pas créé une ecclésia, église administrative, institutionnelle, vaticanesque, mais qu'il a fait surgir une assemblée radicale. Et d'ailleurs, on en retourne à Marx et à la question juive. Marx montre que toute la modernité du capital consiste à dénaturer la pensée radicale du Christ offensif pour aboutir à Vatican II, qui finalement nous dit « Vatican II, il n'y a rien à voir, vive la marchandise ». Mais ce qui est décisif, c'est de comprendre la radicalité du message d'amour. Et là, je fais un tout petit rebond, parce que j'ai des correspondants juifs ou des correspondants musulmans qui m'écrivent et qui me disent « Et finalement, ce qui est vachement important dans ce qui est positionné à travers le Christ et à travers Marx, c'est qu'effectivement, il faut abolir le judaïsme, il faut abolir le Coran, il faut abolir l'islam, mais par amour des gens qui y sont enfermés. » C'est-à-dire que l'œuvre radicale du Christ, le fameux « mecrinete », refusons les enfermements. Quand je disais tout à l'heure, au paléolithique, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de shintoïstes, il n'y a pas de bouddhistes. C'est la révolution néolithique du capitalisme en mouvement de la valeur d'échange qui crée les grands espaces aliénatoires d'Orient où on va enfermer les gens dans toutes ces séquences-là. Et aujourd'hui, la première victime du judaïsme, la première victime de l'islam, c'est l'homme ou la femme qui se trouve enfermé dans une prison de rituels qui lui disent « tu dois faire, tu dois pas faire, tu dois faire, tu dois pas faire ». Et le Christ, Marx, l'être générique, les manuscrits de 44,
les évangiles. C'est à bas les enfermements. C'est parce que nous vous aimons dans l'être générique de la communauté universelle à faire jaillir que ce que dit Marx dans la critique de la question juive, c'est le juif doit s'émanciper en sortant du judaïsme. Le musulman doit s'émanciper en sortant de l'islam. Le shintoïste doit s'émanciper en sortant du shintoïsme, etc., etc. Il y a, et on en revient à la distinction, notre vraie réalité. Notre réalité distincte d'homme, de l'être générique, de la communauté universelle. Il y a tous ces enfermements aliénatoires qui nous compartimentent, qui nous enferment dans des caisses, qui mettent des verrous, qui nous refoutent dans une armoire avec une deuxième porte, puis une troisième porte. Non, nous ne sommes pas condamnés à être notre provenance aliénée. Nous avons pour fonction dans la grande révolution communautaire et communiste mondiale de l'amour universel à nous retrouver contre les césures et les aliénations. Et on retombe sur l'Évangile et on retombe sur la radicalité du Christ. Il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs. Il n'y a plus d'homme, il n'y a plus de femme, il n'y a plus de maître, il n'y a plus d'esclave. Il y a l'homme de l'être générique qui aime l'être de l'amour de l'être et qui s'épanouit dans un monde sans aliénation, sans césure, sans clôture et sans enclosure. C'est l'homme de la transparence qui a tué toutes les représentations aliénatoires. Le divin n'est pas là-haut pour nous commander. Le divin est dans l'immanence de la communauté, là et maintenant, pour nos besoins humains émancipés. D'accord. Bon, alors dans le bouquin, il y a énormément de sujets, on ne va pas pouvoir parler de tout, mais vous distinguez, vous faites un gros travail de distinction, justement, avec, alors sur le travail, par exemple, vous distinguez le travail aliéné qui produit pour les besoins solvables de l'activité humaine générique qui produit pour les besoins humains. Vous distinguez, vous parlez du féminisme, vous distinguez la femme radicale comme Louise Michel qui va dire par exemple le pouvoir est maudit, de la femme soumise féministe qui va dire girl power, etc. Vous parlez du climat, du terrorisme, tout ça. Mais je voulais vous questionner plutôt peut-être sur le, parce que je pense que c'est vraiment le cœur et l'intérêt du bouquin, sur le déterminisme. Parce que ce bouquin, il est sorti en 2007 et on est en 2019. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas tellement été contredit sur tous ces sujets. Le terrorisme en 2007, on est avant même l'affaire Mira, on a eu les années 2010 qui ont été des années de terrorisme massif. Et sur tous les sujets, quoi, sur les migrations, toutes les migrations que vous prévoyez de cette époque-là. En fait, l'intérêt du bouquin, c'est de dire que quand on s'inscrit dans un regard radical et dans le logos, on peut tout prévoir, d'ailleurs tout était prévu, et maintenant on peut aussi anticiper ce qui va arriver dans les années à venir. Alors, moi j'ai beaucoup de mes correspondants qui n'ont pas forcément beaucoup lu, et qui, puisqu'ils n'ont pas forcément beaucoup lu, ils ont quasiment jamais lu Marx. Alors, il y a une phrase qui revient tout le temps, mais c'est Marx a écrit au 19e siècle. Mais le problème n'est pas de savoir à quelle période on écrit. Le problème est de savoir pour quelle période on inscrit son écriture. Et la grande problématique qui est positionnée par Marx à travers justement cette puissance radicale de recueillement de la compréhension hégélienne dans toutes les situations de surgissement de la lutte de classe du XIXe siècle, c'est effectivement l'anticipation et la prévision. Et Marx a écrit au XIXe siècle, non pas le XXe siècle, mais le XXIe siècle. Il a prévu la grande usine globale de la cybernétique capitaliste à travers toutes ces crises terroristes, à travers toutes ces crises financières, à travers le chaos migratoire, à travers le chaos bancaire, à travers le chaos commercial. Non pas parce que c'est un génie particulier, même si effectivement son cerveau marchait quand même beaucoup mieux que la plupart de nos contemporains abétis. C'est d'abord une œuvre impersonnelle dans le cadre de la lutte de classe qui surgit dans la Première Internationale, dans le cadre de débats, de rencontres, de macérations. Et donc, effectivement, tout est dit. Et nous avons sorti la critique de l'indistinction en 2006 parce que après la défaite de mai 68, après que la grève sauvage incontrôlée de mai 68 ait été écrasée, et c'était normal, puisque nous n'étions pas dans un temps où le capital s'effondrait, mais nous étions dans un temps où le capital se restructurait de manière supérieure,
suite à cette restructuration où le capital passait à un niveau supérieur d'aliénation, nous rentrions enfin dans le temps de l'indistinction. Et il fallait prendre date. La dictature de la valeur d'échange, le fétichisme de la marchandise, c'est effectivement le renversement, c'est l'indistinction, c'est la perversion. Tout s'écrit à l'envers, tout s'écrit à l'envers de toute réalité. C'est le moment où, pour reprendre la science de la logique et les manuscrits de 44, l'intégralité du vrai est totalement aspirée, subsumée par la dialectique dictatoriale de la valeur d'échange démocratique. Donc tout devient le faux absolu. Aujourd'hui, si je dis aux gens qui nous écoutent Timișoara, Timișoara, les gens ils savent pas forcément ce que c'est. Timișoara, c'est un grand montage avec des faux cadavres pour expliciter, pour justifier une recomposition dans la Roumanie de Ceaușescu et à partir de là produire une restructuration supérieure. Mais c'était un coup d'essai. Après, on a eu la Bosnie, on a eu le Kosovo. Qui aujourd'hui cherche les 100 000 cadavres des charniers du Kosovo? C'est fini, tout est parti. À l'époque où, en 2006, ce livre a été produit, il faisait charnière entre tous les mensonges qui avaient résulté de 68 et tout ce qui allait se passer. On en était encore à Al-Qaïda. Mais si vous lisez bien la critique de l'indistinction, on prévoit déjà Daesh. On explique en 2006 que, suite aux attentats mis en marche par Al-Qaïda de la CIA aux États-Unis, suite aux restructurations géopolitiques, suite à l'explosion de l'Irak, on va maintenant s'attaquer à la Syrie, on va maintenant s'attaquer à l'Iran, et c'est l'intégralité de la géopolitique du Moyen-Orient qui, en fonction de la baisse du taux de profit, qui, en fonction de la crise financière, va mener à des recompositions encore plus grandes qui font que… Alors, on n'avait pas le nom encore à l'époque, on ne savait pas que la CIA allait créer Daesh, mais on dit très bien à l'époque, on dit Al-Qaïda, c'est fini, la CIA va nous créer un autre appareillage. Mais on ne dit pas ça parce qu'on a un flair subjectiviste. On dit ça parce que dans la compréhension radicale de ce qu'est le projet communiste pour l'abolition de l'État, pour l'abolition de l'argent, pour l'abolition de la marchandise et du salariat, on s'inscrit dans une trajectoire historique de réfutation et d'insurrection qui fait mémoire, qui fait savoir, qui fait méthode de tout ce qui nous a, entre guillemets, fait transmission. Il y a eu la guerre d'Espagne, il y a eu les mensonges du deuxième charnier mondial, il y a eu les mensonges du premier charnier mondial, il y a eu les mensonges de la guerre de 1870, il y a eu tous les mensonges constitutifs de l'alliance entre la France et l'Angleterre, l'entente cordiale de la finance mondiale entre Paris et Londres. Tout ça a une histoire. C'est-à-dire que tout ce qui est en train de se passer là, si je n'ai pas de culture radicale, si je n'ai pas de passion révolutionnaire, ben je ne comprends rien. Si par contre je m'incruste, si par contre je m'incarne dans la méthodologie de cette compréhension, que je saisis les enjeux radicaux de ce qu'est la dialectique, le déterminisme, tout s'affiche. Et donc, nous avons sorti ce bouquin en 2007, en prévoyant la crise de 2008, mais en expliquant que la crise de 2008 ne serait pas la crise qui ferait invalidation du système, que ça n'était finalement qu'un récapitulatif préalable, et qu'il y aurait la crise de 2018-2020. Donc, il faut bien comprendre que celui qui veut comprendre peut comprendre, que celui qui veut comprendre, au-delà des œillères de l'aliénation, du fétichisme, de la marchandise, et au-delà de toutes les indistinctions qui nous enferment dans le factice, peut comprendre. Mais pour comprendre, il faut maintenir cette règle méthodologique de ce qu'est la radicalité de la lutte de classe. Si je suis dans la lutte de classe, je comprends le chaos migratoire, je comprends le chaos bancaire,
Je comprends le chaos terroriste. Je comprends la posture féministe. Je comprends la posture immigrationniste. Je comprends la posture écolo-bobo du capitalisme vert. Tout se positionne. Par contre, si je ne m'incarne pas dans cette détermination-là, je piche plus rien. Aujourd'hui, vous avez des résidus libertaires gauchistes qui prétendent encore parler de la lutte de classe. Mais c'est un fétiche. Ils prétendent parler de la lutte de classe, mais pour ne jamais aller à l'attaque contre ce qu'est le vrai forum de la lutte de classe, de la classe capitaliste universelle contre le prolétariat. J'ai appris dernièrement qu'on avait attaqué une librairie d'extrême droite à Paris. Alors, on a attaqué une librairie d'extrême droite à Paris. Dans le rapport social mondial aujourd'hui, cette librairie d'extrême droite qui a été attaquée, qu'est-ce qu'elle représente ? Qu'est-ce qu'elle représente dans l'impérialisme de la marchandise qui fait crever l'Afrique, qui fait crever l'Asie et qui fait crever le prolétariat européen dans la paupérisation redevenue absolue ? Non ! Vous avez des gens qui parlent de lutte de classe, qui sont pour l'écriture inclusive, qui sont pro-immigrés, qui sont pro-féministes, qui sont pro-capitalisme vert, qui n'attaqueront jamais les locaux du MEDEF, les locaux du CRIF, les locaux du groupe Bilderberg. Non, ils vont attaquer une librairie d'extrême droite qui, à l'échelle mondiale, n'a aucune incidence sur la restructuration internationale du capital qui fait crever l'humanité entière. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, retrouver le sens de la lutte de classe, retrouver le sens offensif de la vraie radicalité subversive, retourner à Marx, retourner à Engels, retourner à Rosa Luxembourg, retourner à tout ce qui fut nos luttes de classe radicales, offensives, c'est comprendre la mystification du sociétal. C'est comprendre la mystification du sociétal. L'immigrationnisme, les luttes LGBT, les luttes écolo, tous ces trucs-là sont des cul-de-sac pour nous enfermer dans une réorganisation marchande. Le terrain de la lutte de classe, c'est à bas l'argent, à bas l'État et à bas le pouvoir. À bas le pouvoir. C'est pas une micro-librairie d'extrême droite qui tient le pouvoir mondial. Ceux qui aujourd'hui détiennent le pouvoir mondial, c'est le pouvoir mondial. Et le pouvoir mondial, il est pro-immigré parce qu'il veut substituer au prolétariat communard radical de lutte de classe des prolétaires immigrés qui ne sont pas dans la situation historique de comprendre la lutte de classe et qui sont effectivement soumis. C'est l'émancipation de la femme en la marchandise, parce qu'une femme qui devient avocat, ce n'est pas subversif et ce n'est pas radical. Et c'est le LGBTisme de la marchandise biologique réalisée dans le hors-sol total. Parce que derrière la GPA et la PMA, derrière la soi-disant émancipation homosexualiste délirante où on voit une ministre abrutie vous dire « c'est pas grave que le papa soit une maman, c'est pas grave », ce qu'il faut comprendre, c'est ce que nous dit Marx dans le Capital, c'est toute l'accumulation capitaliste aujourd'hui privilégiée dans l'embryon. Le capitalisme vert, c'est l'avenir du capital. Le capitalisme LGBT, c'est l'avenir du capital. Parce que les grands secteurs d'accumulation prioritaire de la rénovation capitaliste sont là. Donc, aujourd'hui, défendre la lutte de classe dans un point de vue radical sur la base de ce qu'a positionné la critique de la société de l'indistinction, c'est dénoncer tous les VRP de commerce du sociétal comme des mercenaires du capital, comme les pires alliés du capital, et c'est retrouver la radicalité prolétaire de cette France périphérique qui a vu surgir les gilets jaunes contre tous les boboïsmes du gauchisme de la marchandise qui sont effectivement les meilleurs alliés de la finance cosmopolite, dit Marx, manuscrit 57 et manifeste communiste. Le mondialisme de la marchandise aujourd'hui, il est LGBT, il est capitalisme vert et il est pro-immigré. Et par contre, il déteste le bouseux du Périgord et de la Creuse qui a encore une implantation mentale des profondeurs qui lui fait comprendre ce que c'est que la Commune de Paris qui pourrait revenir. D'accord.
Après, se pose la question, une fois qu'on a tout prévu, de qu'est-ce qu'il faut faire? Et bon, j'ai vu il y a 2 jours là le dernier défilé des Gilets jaunes, certains étaient interviewés et réclamaient encore plus de république, plus de démocratie, etc. Et bon, alors vous avez souvent parlé de ce qu'est la démocratie avec le passage du Guénos au Démos. Vous parlez d'ailleurs de dictature démocratique. Et pour tous ces gens-là, je pense que c'est un oxymore totalement inenvisageable. C'est-à-dire que quand ils se font tirer dessus à coups de LBD, c'est qu'on n'est plus en démocratie et qu'on rentre en dictature pour eux. Mais c'est deux concepts totalement impénétrables l'un par rapport à l'autre. Et c'est pareil avec la République. Alors peut-être qu'on peut leur rappeler l'histoire des républiques françaises et autres, parce que la Première République, elle est née du massacre par Robespierre et Carrier, aussi bien des sans-culottes que des Vendéens. La Deuxième République, elle est née sur le bain de sang des révolutionnaires de juin 48 par Cavaignac. La troisième, elle est née sur le bain de sang des communards par Thiers et Galifet. On pourrait même parler des débuts de la République de Weimar avec Nosque, de la fin de la Seconde République espagnole avec Négrine, jusqu'aux Gilets jaunes au bout de la Ve République. Donc, on voit comment ça se passe toujours, toujours. Il y a encore des gens qui se demandent si la prochaine fois, ça ne va pas se passer mieux avec la République. Alors justement, là, on est dans la démocratie réalisée du capital, on est donc dans la domination totalement achevée de la valeur d'échange, on est donc dans l'indistinction la plus absolue. Parce que ce que Marx nous montre dans le texte des manuscrits de 44, il nous dit le mouvement du capital est indistinction, il est inversion et il est renversement. En 1868, dans la première section du Capital, avec le fétichisme de la marchandise, il reprend cette problématique-là avec l'autonomisation de l'équivalent général abstrait, mais il dénonce. Alors, on parlait tout à l'heure de prédiction et d'anticipation. Quand Marx, en 1848 et 20 ans après, en 1868, il prévoit ça, il sait que ça va arriver, mais que ce n'est pas encore arrivé. Et il nous dit, quand ça va arriver, on sera dans l'homme totalement réifié, totalement chosifié. J'ai une correspondante dont le gamin est rentré, je crois, en quatrième. Et elle me dit, mais alors le bouquin d'histoire, mais alors il est vraiment fandard. Alors là, on est vraiment dans la distinction absolue. Le bouquin de quatrième parle de l'esclavage. Donc, il n'y a pas d'esclavage antique, Rome, la Grèce. Il n'y a pas. Ah non, parce que là, c'est des esclaves blancs et des maîtres blancs. Et le bouquin de quatrième, dans une indistinction sublime, ne parle en termes d'esclavage que du commerce triangulaire qui voit les Noirs déportés aux États-Unis. Mais on ne parle pas des nomenclatures noires qui vendent leur bétail noir. On ne parle absolument pas des razzias islamiques qui, pendant des siècles, ont razzié, massacré, castré des centaines et des centaines de milliers de Noirs. Et on ne dit pas que quand l'armée française débarque en 1830 à Alger, il y a des milliers et des milliers d'esclaves blancs chrétiens dans les geôles des razzias barbaresques du Grand Turc. Et on ne dit pas que les premiers esclaves des plantations de coton aux États-Unis n'étaient pas des Noirs, mais des Irlandais déportés dans la grande dévastation capitaliste organisée par Cromwell sur le territoire de l'accumulation primitive de la dictature démocratique de la valeur d'échange, qui fait que après les grands massacres des batailles militaires, on a déporté des milliers de familles. On est dans l'indistinction. L'indistinction, c'est que l'esclavage n'est plus analysé comme un rapport social, mais comme un rapport de colonisation de couleur. C'est quoi l'esclavage? C'est les blancs qui oppriment les noirs. Donc, on ethnicise le rapport social et on veut plus qu'il y ait d'analyse historique du rapport social. De la même manière,
que les générations entières d'immigrés qu'on a fait venir après 68 pour casser la lutte de classe, parce que, et là encore, on est tout à fait sur le territoire de la valeur d'échange telle que Marx positionne l'indistinction sur temporalité ouverte, temporalité fermée. La dictature de la valeur d'échange est une temporalité fermée qui ne veut plus qu'il y ait d'histoire. La marchandise est l'horizon indépassable de l'histoire humaine. Après 68, alors que le pouvoir, le patronat, l'État ont eu si peur, on organise le grand remplacement prévu par Marx. Je rappelle que la première personne ayant écrit « remplacement », c'est Marx en 1868, dans la septième section, chapitre 25, quand il dit que le devenir du capital est de remplacer un prolétaire de souche par trois prolétaires d'ailleurs, un Yankee par trois Chinois. Donc, c'est pas un problème de démographie et de migration identitaire. Là encore, c'est un problème de lutte de classe. Si je suis dans la lutte de classe, je suis dans la distinction. Si je suis dans l'indistinction, je ne suis plus dans la lutte de classe. Donc, il faut comprendre toutes ces problématiques-là, et c'est parce que ces problématiques-là sont comprises qu'elles peuvent permettre le renversement. Donc, aujourd'hui, les gilets jaunes, ce n'est pas un objet. Les gilets jaunes, c'est un sujet social en mouvement qui est traversé à la fois d'aliénation et d'émancipation, de distinction et d'indistinction. Et qu'est-ce qui fait que tous les mensonges que le capital met en mouvement, alors le grand mensonge, les populations de Seine-Saint-Denis sont dans une misère noire. Bon, aujourd'hui, n'importe quelle personne qui bosse un tout petit peu sur les statistiques nationales des flux financiers vous dira que la Creuse, l'Ariège sont dans une misère noire. Que par contre, la Seine-Saint-Denis, entre les subventions de la politique de la ville, qui depuis 30 ans n'ont pas cessé d'arroser les territoires, plus l'économie souterraine qui voit les racailles du bas associées aux racailles du haut, les banquiers, les magistrats, les flics, les hommes politiques de la nomenclatura dirigeante sont bien évidemment les alliés des racailles du bas qui font circuler la thune et la cam, que ces gens-là viennent effectivement réorganiser d'une manière plus déployée. Bon, je veux dire, il y a plus de Mercedes en Seine-Saint-Denis que dans la Creuse ou dans l'Ariège. Donc, les privilégiés ne sont pas ceux dont on nous parle. C'est l'indistinction. La lutte de classe est cachée derrière ce territoire-là. C'est la distinction. Donc, la problématique distinction, sur l'immigration, sur l'armée de réserve immigrée, sur le fait qu'on veut faire migrer le prolétariat européen hors de son histoire. Quand on nous dit que les migrations sont de plus en plus nécessaires, on a bien évidemment les migrations physiques aujourd'hui des gens du Sud. Je vis à Oran aujourd'hui, j'ai pas d'horizon social. Mon horizon social, c'est d'avoir un passeport et de me barrer à Marseille. Donc, la faillite des luttes de libération nationale, Rosa Luxembourg, l'imposture du capital moderniste, le marché mondial, on y est. C'est la distinction et c'est l'indistinction. Il y a la vérité réelle, c'est la distinction. Et il y a la vérité fantasmatique et mentie de l'indistinction depuis des siècles. Et depuis la domination réelle du capital, accélérée depuis la décolonisation. C'est-à-dire que l'éducation nationale, avec la gauche du capital, avec les enseignants ignares du capital, ça a été un rouage important pour qu'il n'y ait pas de passerelle d'intelligence entre les prolétaires ici de souche et les gens qui venaient du Sud. Au lieu de poser la problématique en termes de capital, en termes d'aliénation, en termes d'État, en termes de marchandises, on l'a posé en termes débiles du méchant colonisateur occidental sur le pauvre et gentil colonisé du Sud. On n'a pas historicisé les relations,
On les a ethnisés. Pourquoi on les a ethnisés? Parce qu'en les ethnisant, on les positionne dans l'indistinction de l'abrutissement du capital. Le capital veut produire des abrutis industriels. Le capital ne veut pas qu'il y ait de résurgence radicale. Après la grande grève sauvage de 68, le capital s'est dit, c'est terminé, le communard européen doit disparaître. Quand Marx et Engels disent, la France, à travers les journées de 48, à travers les journées de 71, elle est l'avant-garde de la radicalité européenne qui est l'avant-garde de la radicalité mondiale. Tout est dit. Tout est dit, on fait monter des gens du Sud qui, même s'ils ont des combats réformistes parfois un peu musclés, n'ont jamais eu l'horizon culturel de la temporalité ouverte de l'abolition de l'État et de l'abolition de l'argent. Si le MEDEF, si Canal+, si BFM TV, si toutes les télés, si toutes les nomenclaturas du capital, si tous les patronats, si toutes les entreprises publiques ont fait de l'immigré la valeur supérieure de leur investissement, ça n'est pas par hasard. C'est parce que c'est un investissement à long terme pour casser la lutte de classe radicale dans l'indistinction de toutes les temporalités mélangées. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'immigration, ce n'est pas simplement l'immigration, c'est dans l'indistinction faire migrer le prolétaire européen hors de son histoire. J'ai plein de correspondants qui vont visiter le site de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. On y voit des vidéos de la banlieue des années 60, on y voit des vidéos sur les prolos des Halles des années 70. Mais là, on a un tilt méthodologique de distinction, dirait Hegel ou dirait Marx. Vous voyez des prolos dans les années 60 qui font des phrases, qui parlent, qui, même s'ils ne sont pas radicaux immédiats, ont un potentiel de temporalité ouverte. Ils ne sont pas dans le culte de la thune, le culte de la cam, le culte du réussir pathologique personnel. Distinction, indistinction. C'est tout ça que le mouvement des Gilets jaunes, progressivement, va devoir saisir. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans le mouvement des Gilets jaunes, on surgit progressivement des radicalités quand le mouvement qui était ultra périphérique, je rappelle que la France périphérique et la France des métropoles, le capital des métropoles, le capital des périphéries, c'est un texte de Engels, La question du logement, qui date du 19e siècle. On n'a pas attendu les géographes du capital contemporain pour avoir un état des lieux, préfiguration. Anticipation, vous me posez la question, Engels et Marx, dans les années 1860, avaient analysé, envisagé, préfiguré toute la cartographie contemporaine du capital avec le prolétariat expulsé des métropoles et les métropoles avec la classe capitaliste, les bobos clientélisés et les immigrés privilégiés et le prolétariat dehors. Donc, on a un vrai problème de lutte de classe à travers un espace territorial. Et ce qui est très intéressant, c'est que les Gilets jaunes ont fait cette expérience pratique de la distinction et de l'indistinction quand ils rentraient dans les métropoles bobos du capitalisme et de ces populations clientélisées. C'est-à-dire que quand ils étaient sur les ronds-points, à 60 km de Rouen, de Bordeaux ou de Nantes, il y avait un monde, il y avait une distinction, un discernement, une compréhension, et quand ils arrivaient dans les métropoles, ils étaient noyés dans le discours écolio, bobo, féministe, etc., qui n'était pas le leur. Donc, il y a bien une antinomie radicale entre la lutte de classe pour l'abolition de l'État et pour l'abolition de l'argent, qui, même si elle n'est pas encore le substrat des Gilets jaunes, est leur destination, et l'arrivée dans les métropoles gaucho, bobo, immigrés, LGBT, où le seul objectif final, c'est l'écriture inclusive et c'est effectivement la marchandise bien partagée avec des potagers sur les toits. Donc ça, il faut être patient, ça met du temps, c'est la crise. Et la crise qui va frapper entre la fin 2018 et la fin 2020, c'est précisément ce qui va accélérer cette compréhension. Les Gilets jaunes les plus radicaux ont compris que quand ils arrivent dans les métropoles, ils sont en territoire ennemi.
Oui, vous parlez de la crise, là, on a des informations du FMI qui s'alarment et s'inquiètent de la dette des entreprises mondiales qui est passée de, je crois, 34 000, quelque chose comme ça, 34 000 milliards de dollars en 2009 à plus de 50 000 milliards maintenant, 10 ans plus tard. Et d'ailleurs, j'avais vu des chiffres, c'était lié au forum de Davos au début de l'année, qui retraçait l'évolution de 1971 à 2009, qui disait que la population mondiale avait été multipliée par 2, la richesse mondiale par 26, le commerce par 52 et la dette publique par 65. Et les deux chiffres intermédiaires me faisaient penser à la baisse du taux de profit. Alors, je ne sais pas si c'est une illustration pertinente, mais le fait que justement c'est 26 et 52, c'est-à-dire 52 deux fois plus que 26, la richesse mondiale augmente deux fois moins vite que le commerce. Donc, il faut s'activer deux fois plus pour produire la même chose. Est-ce que ça, c'est une illustration concrète de la baisse du taux de profit? Alors, c'est une illustration qui est considérable de la baisse du taux de profit. Alors, on la voit à travers des illustrations plurielles, mais concordantes. Les faillites n'ont jamais été aussi fortes cette année que depuis 2008. Le FMI nous dit que la croissance n'a jamais été aussi basse que depuis 2008. Et dans le même temps, sixième chapitre du Capital, livre 3, on positionne les taux d'intérêt devenus négatifs. C'est-à-dire que quand la critique de l'indistinction est sortie en 2007, on anticipait la crise de 2008 en précisant bien que ce n'était pas la crise des subprimes, ce n'était pas une crise financière. C'était une crise, certes, qui se matérialisait dans la forme financière, mais qui était bien une crise de la saturation du marché et une crise de la baisse du taux de profit, puisque la contradiction entre le travail mort et le travail vivant avait atteint un tel point en 2006-2007 que, inexorablement, on avait effectivement cette gigantesque déstructuration qui permet d'expliquer en plus le chaos terroriste et le chaos géopolitique. Parce que quand il y a un gigantesque chaos politique et un chaos terroriste, bien évidemment, on a l'axe américano-israélien qui veut bousiller toutes les entités étatiques qui, au Moyen-Orient, font effectivement de l'ombre à la puissance américano-israélienne. Mais il y a aussi toute la problématique du gaz, toute la problématique du pétrole, toute la problématique du prix du baril, toute la problématique de la guerre commerciale et industrielle autour des sources d'approvisionnement à travers cette route de la soie qui est devenue justement la route de la baisse du taux de profit accéléré à travers tous les agencements industriels et commerciaux. Donc, 2008 a tout fait péter et 2008 a été réagencé artificiellement à travers des mécanismes bancaires internationaux qui, pendant une décennie, ont fait illusion. Mais ça, c'est l'en-soi de l'artificialité de la recomposition. Et puisqu'on est dans Marx, et puisqu'on est dans Hegel, et que l'en-soi nous conduit au pour-soi, puis ensuite au retour à soi, on voit bien que là, dans les années 2020, toute la fictivité qui a été mise en marche entre 2008 et 2018, qui est en train de s'invalider, va exploser, mais qu'on ne pourra pas la recomposer comme on l'a recomposée en 2008, puisque aujourd'hui, on n'a pas simplement une crise de la disponibilité bancaire et du jeu des liquidités immédiatement circulables, mais qu'on a une crise radicale de l'appareil de production de la fictivité elle-même en tant que potentialité de circulation. Et là, on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, prédiction, prévision, distinction, indistinction. C'est tout le livre 3 du Capital où Marx a parfaitement analysé la matérialisation, la dématérialisation, la monnaie, la fictivité, la réalité, la crise, le dépassement, l'invalidation. Et donc, la critique de la société de l'indistinction, c'est la critique de tout ce que la société voudrait que nous acceptions de croire. Et finalement, bon, on en revient bien évidemment à Marx et on en revient à Hegel, mais on en revient à cette fameuse lettre. Alors, je n'ai pas la date exacte,
C'est une lettre que Orwell écrit à Koestler après la guerre d'Espagne. Alors, Orwell n'avait pas creusé le Capital, même si, d'un point de vue d'instinct radical, il avait été à Barcelone en 1937 du côté des barricadiers. Bon, il n'avait pas théorisé l'œuvre de Marx, etc. Ça lui était assez étranger. Mais pour montrer comment le travail de l'indistinction se répand, je crois qu'il dit dans la lettre à Koestler, « Jamais je n'ai vu en Espagne, alors il ne dit pas autant d'indistinction, mais il dit autant d'affabulation et de mensonge, tout ce qui se passait, tout ce qui se passait était invalidé, et la presse nous racontait des histoires qui n'avaient jamais eu lieu. » Oui, c'est une lettre où il disait qu'il avait peur que le vrai disparaisse en tant que tel. Voilà. Et donc, le vrai est en train de disparaître dans l'indistinction. Tout est faux sur la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Golfe, le terrorisme, ce qui s'est passé à la préfecture de police, l'incendie de Notre-Dame de Paris, le mensonge de l'immigration, le mensonge du féminisme, le mensonge de la GPA. Ça y est, le vrai est en train de disparaître. Nous sommes au sommet du fétichisme de la marchandise. La première section du livre 1 du Capital s'est enfin totalement matérialisée. Mais c'est précisément parce qu'elle s'est totalement matérialisée qu'elle n'a plus de capacité à produire d'autodéploiement supérieur dans la disparition du faux. Et c'est pour ça que le Capital, qui semble n'avoir jamais été aussi fort, et c'est ça le cœur de la critique de l'indistinction, n'a jamais été aussi faible, parce que nous sommes à l'horizon du grand renversement par lequel la production de l'indistinction étant devenue radicalement impossible dans la reproduction de sa reproduction, nous sommes nécessairement entrés dans une phase où, malgré la nuit noire de siècle entier d'aliénation, le distinctif est en train de ressurgir. Et les gilets jaunes n'ont été que le premier moment du distinctif, puisque les gilets jaunes, c'était le distinctif dans l'indistinction. Et il va y avoir un deuxième moment où le distinctif, qui est né de l'indistinction, va être obligé, au sens hegélien du terme, d'invalider l'indistinction qui l'a fait naître pour produire le retour à soi, c'est-à-dire le distinctif dans le distinctif. D'accord. Justement, vous parlez d'Orwell, ça me fait penser, parce qu'on n'a pas parlé de terrorisme, mais c'est une part importante du bouquin, avec ce dernier attentat à la préfecture de police de Paris, et Macron qui parle d'une façon très orwellienne de société de la vigilance. Chacun est censé surveiller son collègue, pourquoi pas sa famille, devant des agissements qui pourraient être déviants par rapport à la norme, disons. Donc, on a l'impression qu'on passe quand même là, qu'on fait un saut qualitatif sur la surveillance généralisée et qu'on demande à chacun d'en être le participant actif. Je ne sais pas si vous voulez parler de cet attentat qui est en plus… Alors, si vous voulez, justement, j'ai énormément de correspondants qui m'écrivent et qui m'ont parlé non seulement de celui-là, mais des autres. Et ça nous renvoie bien évidemment à Marx et à Engels, aux écrits militaires, le terrorisme, le véridique rapport qui était sorti en 2003, c'est-à-dire 4 ans avant la critique de l'indistinction, les textes de Debord et les textes radicaux des années 70-80. Il faut bien comprendre que quand on dit que l'État est terroriste et que le mode de production spectaculaire de l'indistinction marchande et terroriste, on définit par là un rapport de production qui n'est pas homogène. L'État n'est pas une substance statique homogène. L'État est une pluralité contradictoire. Macron, à plusieurs reprises, au cours des derniers mois, a eu un lapsus qui n'était pas un lapsus, en particulier devant la presse présidentielle, lorsqu'il a parlé d'État profond. Macron, à plusieurs reprises, a dit « il y a un État profond qui m'empêche de faire ce que je veux faire ». Et à plusieurs reprises, Trump, après son élection, a dit des choses similaires. Pour reprendre Clausewitz, Hegel et Marx, regardez…
tous les appareillages politiques bruxellois, avec leur métastase française, qui sont des disciples serviles absolus de l'OTAN et qui tapent tout le temps sur Trump. Ils sont esclaves de l'OTAN, mais ils tapent sur Trump. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les esclaves absolus de l'OTAN n'auraient pas tapé sur Clinton. Clinton était la parfaite expression de l'état profond du complexe militaro-industriel de la marchandise souterraine qui renvoie à l'état invisible de la dictature universelle du fétichisme de la marchandise. Trump est ça, mais il est aussi autre chose. Donc Trump a constamment des conflits entre lui, son état profond, l'état invisible, et il y a constamment des conflits entre le Pentagone, la CIA, la NSA et le département d'État. Et Macron, à plusieurs reprises, il y a eu l'affaire Benalla, il y a eu l'affaire des homards de notre écolo sublime, il y a eu toute une série d'attaques à certains moments lorsque Macron essayait de retrouver un territoire de partenariat possible avec Poutine. Donc, l'État est bien évidemment l'expression de la dictature du développement de la marchandise, mais le développement de la marchandise n'est jamais quelque chose de monolithique et quelque chose de lisse. On a eu, à l'époque de Pompidou, l'affaire Markovitch, on a eu l'affaire Boulin, on a eu des attentats ciblés, on a eu des attentats étendus. Le terrorisme, l'attentat, la manipulation, la manœuvre policière, ce n'est pas une fluidité décisionnelle dans un appareillage de clairvoyance et de limpidité totale. C'est la bouillie, c'est la purée, c'est le contradictoire entre le temps d'avant et le temps d'après. C'est le contradictoire entre l'appareil alpha et l'appareil bêta. Donc, le terrorisme aujourd'hui, comme celui qu'on a vu à la préfecture de police, bon, il est bien évidemment, compte tenu des appareillages de contrôle informatique, télématique, généralisé, quelque chose qui n'a pas eu lieu de manière autonome. Nous savons, depuis Guy Debord et les commentaires sur la société du spectacle, qui ont repris toutes les articulations méthodologiques des groupes communistes radicaux, que tout acte terroriste d'intensité est étatique par essence. Mais quand on dit qu'il est étatique par essence, ça ne veut pas dire que c'est forcément telle sphère étatique qui... Les sphères étatiques sont contradictoires. Elles se combinent, elles s'opposent, elles se juxtaposent et elles sont dans des temps différents. Donc aujourd'hui, aux États-Unis, la crise kurde, la crise turque, la Syrie, le Pentagone, la CIA, la NSA, en France, la problématique du ministère de l'Intérieur, la problématique des services, Poutine, Trump, quelle politique étrangère au Moyen-Orient, l'accord iranien, la problématique du nucléaire, comment réinvestir en Irak. Donc, l'État n'est pas homogène parce que, précisément, on en revient à cette articulation essentielle, la saturation des marchés, la baisse du taux de profit. L'État est polymorphe dans les contradictions que la baisse du taux de profit fait jaillir. Donc, c'est toujours l'État, comme spectacle terroriste mondial, qui effectivement organise le chaos migratoire, le chaos monétaire, le chaos terroriste. Mais après, il faut saisir les instances, il faut saisir les contradictions. L'État n'est pas une unité. L'État, aujourd'hui, compte tenu de la baisse du taux de profit, est une structure d'éclatement dont il faut saisir les instances contradictoires en fonction du développement contradictoire de la baisse du taux de profit et des géopolitiques de reconversion en fonction de chaque intérêt de classe, de chaque groupe de classe, de chaque position de classe. La sphère de circulation du capital n'a pas les mêmes intérêts que la sphère de production du capital. L'industrie légère n'a pas les mêmes intérêts que l'industrie lourde. Et de la même manière qu'il y a une baisse du taux de profit par branche d'industrie, il y a une baisse du taux de profit au niveau de la péréquation des taux de profit. Il y a donc une baisse du taux de profit unitaire et il y a donc des baisses du taux de profit sectorisées. Et il y a donc des couches contradictoires de la classe capitaliste contre d'autres couches contradictoires de la classe capitaliste. Et là, on en revient à Hegel et à Marx,
dialectique, seuil, quantité, mesure, analyse spécifique. Vous parlez pas mal dans le livre aussi de l'hégémonie américaine. Est-ce que ce n'est pas là, par contre, quelque chose qui a changé par rapport à 2007 ? Vous anticipiez en 2007 ce qui allait se passer en Syrie, notamment. Vous parlez aussi de l'Iran. Mais l'Amérique a fini par échouer en Syrie. Finalement, elle se retire, faisant un mauvais coup aux Kurdes, et peut-être surtout aussi à Israël. Est-ce qu'ils ne sont pas sur le reculoir ? Vous parliez de l'hégémonie américaine. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance inverse en cours ? Alors, quand on dit hégémonie américaine, il faut en revenir à tout ce que nous avons positionné justement en 2006 dans la critique de la distinction. Et un élément clé de la critique de la distinction, c'est l'indistinction monétaire. Comment se fait-il que le billet vert, qui aujourd'hui, dans la réalité matérielle de la baisse du taux de profit et des contradictions historiques du développement de la marchandise, est totalement démonétisé, continue aujourd'hui de se structurer et de se structurer par vampirisme des balances commerciales extérieures des autres pays et de ses concurrents. Quand la crise de 68 a surgi, la crise de 68, qui était donc le premier temps de la crise de la domination réelle, elle a ressurgi parce que les balances commerciales européennes et japonaises s'étaient rééquilibrées après la phase de reconstruction qui découlait de toutes les déstructurations du deuxième charnier impérialiste mondial. Donc, dans les années 68-71, les balances commerciales européennes et japonaises se reconstituent. On est en plein dans le livre 3 du Capital avec la problématique de la dématérialisation monétaire, puisqu'on est dans toute l'histoire aliénatoire de l'étalon or, de Bretton Woods et de ce moment particulier où on va déconnecter le dollar de l'étalon or. À un moment donné, de fusion aliénatoire des représentations chimériques de la valeur d'échange en mouvement sur le théâtre monétaire, on dit que le billet vert est équivalent à l'étalon or. Mais à un moment donné, compte tenu justement du rééquilibrage des balances commerciales européennes et japonaises et compte tenu du déficit croissant de l'économie américaine, on aboutit au change flottant, aux décisions Nixon de la Jamaïque, et l'impérialisme américain nous dit maintenant, vous pouvez échanger vos réserves contre du dollar, mais vous ne pourrez plus jamais l'échanger contre de l'or, puisque de l'or, nous maintenant, on le met en sécurisation fétichiste supérieure, et donc maintenant c'est yen, marque, franc et dollar, mais on ne touche plus à l'or. Le dollar vaut de l'or. C'est donc au moment où le dollar vaut le moins qu'il prétend valoir le plus. Parce qu'il y a justement eu, dans le cadre de la géopolitique impérialiste de la Seconde Guerre mondiale, une vassalisation totale de l'espace monétaire universel par les vainqueurs du second charnier. Mais ça n'a qu'un temps, et d'invalidation en invalidation, on arrive au point où le billet vert n'est plus qu'un gigantesque fantasme. Le billet vert n'est plus qu'un gigantesque fantasme. Et à partir de ce moment-là, est posé ce que dit Marx dans le livre 3, le moment où la fictivité du temps 1, dans sa déconnexion avec la réalité, atteint le point où il y a une invalidation de la fictivité avec elle-même. Et donc, on est entré dans un temps où c'est même plus l'impérialisme américain, c'est l'impérialisme du billet vert sur le marché mondial. Et c'est d'ailleurs pour ça que du sein même de l'appareil américain, et c'est ça qu'il faut comprendre dans la crise Clinton-Trump, avec l'élection de Trump et la diabolisation que subit Trump de toutes les élites pro-américaines. Donc, on se rend compte que les élites pro-américaines mondialistes européennes sont anti-Trump. Mais puisque Trump est le président des États-Unis, pourquoi ceux qui ont toujours été les larbins de l'OTAN et les larbins de Washington n'arrêtent pas
de picoter Trump. Parce que du sein même de l'appareil d'État américain, ce que je vous disais tout à l'heure sur État profond, État invisible, État visible, toute une restructuration est effectivement envisagée pour construire, pour essayer d'échapper à cette logique implacable de la baisse du taux de profit. Donc, le surgissement de Trump, par-delà les contradictions du billet vert, ça signifie qu'il y a, du sein même de l'impérialisme américain, dans sa compréhension des contradictions du billet vert, quelque chose qui essaye d'agencer un néo-impérialisme multipolaire. Pourquoi il y a des passerelles de connexion davantage visibles entre Poutine et Trump que du temps où Poutine essayait, avec Obama et le clan démocrate, de trouver des zones, disons, d'accord possibles? C'est que il y a, dans la mouvance Trump, même s'il est prisonnier aussi, par le biais de l'État profond et de l'État invisible, de ce qui existait déjà chez Clinton, une idée de passer d'un impérialisme du billet vert unipolaire à un impérialisme du billet vert multipolaire, avec des réagencements. Donc la question qui est posée aujourd'hui, c'est que, du sein même de l'impérialisme américain, des néo-impérialistes américains envisagent une nouvelle période parce qu'ils ont, entre guillemets, la réalité des chiffrages, la réalité des déterminations du niveau aujourd'hui atteint par la baisse du taux de profit, et qu'ils se rendent bien compte que si l'impérium américain veut continuer à fonctionner, il est obligé de réaménager monétairement, industriellement et géopolitiquement. Il ne peut pas continuer comme l'avait fait Clinton et comme l'avait fait Bush. Il y a nécessairement une redéfinition parce qu'elle est imposée par la baisse du taux de profit. D'accord. Je vais rappeler à nos auditeurs donc, que le bouquin critique de la société de l'indistinction est disponible sur le site de Guerre de Classe pour la modique somme de 20 euros, je crois. Et puis, vous laissez la parole, le mot de la fin, parce qu'il y a plein de choses dont on aurait pu parler. On a vu récemment qu'il y a un modèle magique climatique qui a fait bondir la prévision à 2100, qui est passé subitement à plus 7, en contradiction complète avec les mesures. Et puis, il y a plein d'autres choses. Bon, de quoi vous voudriez nous parler pour clôturer cet entretien? Je ne sais pas, alors, si vous voulez, quand le capital parle à travers un méandre qui s'appelle le fétichisme de la marchandise. Donc, quand je mets la télé et quand je mets la radio, tout ce qu'on me dit est faux. Non pas parce qu'il y a un complot constructiviste, parce qu'il y a des marionnettes policières qui travaillent en sous-sol et qui produisent du faux, mais parce que, comme Marx, sur le territoire des luttes de classe radicales, nous l'a expliqué dans Le Capital, section 1, le fétichisme de la marchandise, Orwell, la liberté, c'est l'esclavage, le vrai, c'est le faux, Hegel, le faux, c'est le vrai, bref, Hegel, Marx, Orwell, mais surtout le fétichisme de la marchandise, première section du Capital. Je ne vis pas dans un territoire neutre. Une radio, une télé, un journal, un journaliste, un historien, une école, une université, c'est par essence un rapport de production qui n'est pas dans le hors-sol. Il est dans le sol de la marchandise et il est donc dans le sol du crétinisme répandu, du fétichisme de la marchandise universitaire, journalistique, scolaire, médical, climatique, historiographique, mémoriel, tout ce que vous voulez. Donc, tout ce que dit l'histoire officielle est faux par essence. Par essence. Donc, les textes de Marx sur la censure, manuscrit 44, critique du programme de Gotha, Le Capital, comprendre le vrai dans le champ de l'indistinction, c'est comprendre que tout ce qui m'est transmis par le médiatisme du capital est faux par essence. Ce n'est pas faux par essence parce que le journaliste ou l'historien est un crétin, même s'il est crétin. C'est faux parce que c'est le rapport de production du faux omniprésent dans le fétichisme de la marchandise, dans le cadre de l'indistinction et de l'inversion, dans le fait que tout ce qui doit être distingué à titre humain du point de vue de l'être générique
doit être réécrit dans l'indistinction de la réification totale. Donc, je dois devenir un abruti. Donc, le capital, tous les jours, tous les jours, tous les jours, me pique médiatiquement, universitairement, professionnellement, pour que je sois un abruti soumis de la démocratie dictatoriale de la valeur d'échange. Si j'ai compris ça, c'est ce que nous dit Marx. Si tu as compris ça, tu commences à avancer parce que tu renverses tout. Donc, tout ce qu'on nous dit en vérité officielle et par essence sur toutes les périodes, sur tous les sujets, sur toutes les trames, le mensonge nécessaire à la reproduction du fallacieux dictatorial de la marchandise rayonnante. À partir du moment où j'ai compris ça, et c'est ce que la critique de l'indistinction en 2006 a voulu positionner, parce qu'elle savait qu'avec le temps, ça serait de pire en pire, de mieux en mieux et de plus grotesque en plus grotesque. Donc on y est, on est au maximum de l'aliénation. Le faux n'est pas simplement répandu comme une omniprésence, le faux est répandu comme une omniprésence totalitairement réalisée en achèvement définitif. Nous n'avons jamais vécu dans l'histoire de l'humanité une période aussi crétinisante, aussi réifiante, aussi abrutissante sur tous les sujets. Sur tous les sujets. Donc, l'homme d'intelligence qui se tient debout dans la radicalité, qui comprend les gilets jaunes, qui comprend la crise géopolitique mondiale du capital, qui comprend la crise du taux de profit, qui comprend que tout va péter, que le compte à rebours est commencé et que le grand mensonge bancaire, immigrationniste, industriel, commercial du capital est en train de basculer. Il doit se tenir debout et se préparer pour les grands combats qui viennent, et il n'y a qu'un seul et unique grand combat qui peut synthétiser tous les autres. C'est celui de la lutte de classe radicale contre l'État, contre la marchandise et contre le salariat. La lutte qui va s'ouvrir à bas l'État, à bas la marchandise, à bas le salariat, contre toutes les fractions du capital, de l'extrême droite à l'extrême gauche du capital. Ni patron, ni État, ni police, ni gouvernement, ni salariat, ni argent. Refus total de tous les embrigadements de modernisation et d'amélioration du capital. Et la critique de l'indistinction se terminait par ce rappel radical sur les manuscrits de 44 et la critique du programme de Gotha. Ça ne sort pas de notre tête. C'est un combat invariant et permanent qui nous ramène à toutes ces jacqueries paysannes où des hommes, alors qu'il y a plusieurs siècles, le combat ne pouvait pas déboucher. Quand les paysans communeux du XIIe ou du XIIIe siècle s'insurgent en disant « nous voulons réaliser la communauté du Christ sur la terre contre l'argent et contre l'État », quand il y a la guerre des communaux, quand il y a la guerre des paysans avec Thomas Munzer, que l'Allemagne et l'Alsace sont à feu et à sang parce que partout, on veut abolir l'argent et l'État, ça ne peut pas se réaliser en ce temps-là. Ce que nous a appris le Logos, c'est qu'il y a le temps du possible qui est le temps de la nécessité. Une réalité subversive n'est possible que lorsqu'elle devient nécessaire dans la détermination comprise des logiques historiques de sa nécessité. Nous allons, et c'est ce qu'a positionné la critique de la société de l'indistinction en 2006 par rapport à la crise de 2008 et par rapport à celle de 2018, nous allons rentrer dans le temps des grandes crises où enfin devient possible le grand renversement de l'aliénation capitaliste. Donc, nous avons un devoir, non seulement pour nous, pour jouir, pour vivre, pour nous émanciper, pour ne pas être des larbins, pour transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, la joie du devenir, la communauté du désir et de la satisfaction. Mais nous reprenons cet héritage, ce patrimoine que nous ont transmis les communards qui sont tombés, les barricadiers de 37 qui sont tombés, les spartakistes de 1919 qui sont tombés. Nous n'avons qu'un seul et unique ennemi, c'est la marchandise. Et le pire ennemi que nous avons dans la marchandise, c'est le camp progressiste de la marchandise. C'est ceux qui veulent humaniser le plus la marchandise. C'est les gauchistes de la marchandise. C'est les ultra-gauchistes de la marchandise qui, pour nous faire quitter le terrain de la lutte de classe, veulent nous emmener sur des terrains de recomposition sociétale qui modernisent la marchandise. À bas les modernisateurs de la marchandise, vive l'abolition de la marchandise. Et si je comprends ça en lisant la critique de la société de l'indistinction, même si je n'ai pas tout compris,
j'ai déjà compris un certain nombre de bases essentielles qui font de moi quelqu'un qui ne sera pas tout à fait esclave jusqu'à la fin de sa vie. Merci Francis. Merci à vous.